les travaux effectués, donc on a eu des travaux de modification des parcours, de rénovation de certaines zones de parcours telles que des extensions de départ, des implantations de nouveaux bunkers, des extensions de green, dans un souci de respecter le cahier des charges de l'European Tour et redonner au Royal Golf d'Alsaland ses lettres de noblesse. Donc des réajustements ont été effectués avec la collaboration de l'architecte Cabell Robinson. Les obstacles du fairway, les fairway bunkers, ils ont été bien placés il y a 50 ans. Mais ils sont devenus un peu hors jeu pour les pros parce que les pros sont beaucoup plus longs et plus forts. Donc on a parlé de peut-être il faut ajouter quelques nouveaux départs plus loin. Ou il peut déplacer quelques bunkers de fairway plus loin des départs existants, ou même ajouter quelques bunkers nouveaux. Donc on a fait une sorte de combinaison de les trois pour faire que les fairway bunkers sont plus en jeu au niveau des pros. Ça, c'est la vraie raison pour laquelle j'étais appelé.